Et vous avez regardé hier soir? Mon gars, ce match, c'était incroyable. Ouais, c'était un super match de foot. Et moi, j'ai hâte de voir le match retour. Et normalement, un but à l'extérieur, c'est bon. Ouais, un à l'extérieur. En revanche, Subasic, il est vraiment sous-coté. Ouais. Ah, on est d'accord. Mais... Subasic, pour moi, c'est un des meilleurs. Ouais, avec Ronaldo. Ronaldo, tu veux dire? Ouais, Ronaldo, il est trop fort, hein. Je vais vous dire, à mon avis, CR7, c'est fini. Hein. Il y en a déjà 20 qui sont devant lui. Attends, tu dis ça, le mec, il claque 40 buts par saison. Triple champion d'Europe, des joueurs de son charisme, il n'y en a pas. Mais arrête, je chance de plein. Bah vas-y, dis-moi. Ok, Buffon, Jorginho, ouais. Falcao, ouais. Aide-moi toi. Zidane. Quoi? Non, mais on parle de joueurs actuels. Bah... Jackson. Jackson. Jackson Martinez. Ouais, Jackson Martinez. Ah ouais, non, j'ai vu jouer les choses. Ouais, ouais, non, fort, c'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, les gars, je dois vous le dire, ça fait plaisir d'être avec de vrais connaisseurs. Ah, c'est clair. Parce que moi, je me suis tapé dans la caisse, des gars, ils sortent 2-3 noms, ça y est, ils pensent tout connaître du foot. Ah non, mais attends, ces mecs, c'est les pires. Ils ont un maillot 10 bras dans le dos, ils savent pas ce que c'est un corner à la rémoise. Grave, alors que c'est tellement cool, un corner à la rémoise. Ah, tu trouves? Moi, j'ai du mal avec ça. J'ai jamais compris à quoi ça sert en vrai. Dis-moi. De quoi? Bah, le corner à la rémoise. T'es sérieux? Tu sais pas à quoi ça sert? Bah non, j'ai toujours l'impression qu'on perd du temps. J'ai même pas envie de t'expliquer. Hein? Le gars il fait genre il s'y connaît en foot, il sait pas à quoi ça sert un corner à la rémoise. Rémoise. Ouais, rémoise, et c'est pas de noyer le poisson, on a compris, t'y connais rien. Bon, parlons d'autre chose parce que moi les footix, ça me fatigue. Et c'est qui toi ton joueur préféré? Ivan Tiburzi. Je connais pas, il joue où? À Montpellier. Bon, il a 17 ans, hein, mais tu verras, dans 5 ans il va tuer le game. Ah ouais, c'est le prochain Federer. Waouh, c'était mon épisode de Cocovade préféré! Il m'a vraiment fait réfléchir aux pressions sociales que je m'impose. Si toi aussi tu joues numéro 26, tu peux partager cette vidéo. Sinon, abonne-toi à la chaîne Cocovade, on publie 3 épisodes par semaine. Va aussi t'abonner à la chaîne de Ebim et des Parasites, des gens bien malgré les apparences.